de suite inviter donc Jacques Crinon à passer à la tribune. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation, professeur émérite. Vous avez travaillé au sein du laboratoire ISCOL, CIRCEFT, donc à la fois sur Paris 8 et Paris Est Créteil. Et je crois qu'on va notamment aborder la question de la réflexivité sur les écrits, sur la régulation par les élèves de la production de leurs textes et comment justement aider à une prise de conscience sur ce qui se passe quand on est en train d'écrire. La commande qui m'a été passée par les organisateurs de la conférence de consensus était de regarder les dispositifs de travail efficaces, quels sont les facteurs favorables à l'apprentissage de l'écriture. On allait regarder dans ce qui a pu être mis en place dans des classes, ce qui marchait finalement pour dire les choses en termes de tous les jours. Alors pour y répondre, j'ai tenté de faire une synthèse. Alors c'est ce que j'ai fait dans le document écrit qui a été remis au jury avant la conférence. Une synthèse sur ces dispositifs en regardant à la fois les modes d'enseignement, mais aussi les objets, les contenus, et regarder là-dedans ce qui peut influer sur les progrès des élèves. J'ai pour ça été regardé d'une part du côté francophone dans les revues de didactique du français, ce qui pouvait m'aider à faire ça en dépouillant les principales revues sur les 20 dernières années. Et puis, au-delà, je suis allé regarder du côté anglophone en particulier les synthèses existantes notamment les méta-analyses qui permettent de synthétiser des résultats de recherche. Alors pour les méta-analyses, des recherches qui se caractérisent par des méthodologies semblables, quantitatives, permettant d'établir des tailles d'effets. Mais sur l'ensemble de ce que j'ai pris en compte pour ce document, il s'agit de recherches extrêmement différentes quant à leur méthodologie, à leurs références théoriques et à l'ampleur de ces recherches en ce qui concerne le nombre de classes concernées. Aujourd'hui, évidemment, il m'est un peu difficile dans le temps imparti de rendre compte de tout ça, et je vais en venir directement à quelques conclusions majeures sur ce qui marche, au risque évidemment de forcer le trait et d'être un peu schématique. C'est sans doute en allant se reporter d'une part aux documents écrits et d'autre part aux références originales qui y sont mentionnées qu'on pourra éviter de tomber dans la caricature. Premier élément qui arrive sans doute en tête dans ce qu'on peut lire, en particulier dans les synthèses ou les méta-analyses, l'impact du temps passé à écrire. Quand les élèves écrivent davantage, quand ils écrivent souvent et régulièrement, ils progressent plus. Ça ne vous étonne pas, ça a déjà été dit plusieurs fois depuis hier. Denis Lamargo a même essayé d'expliquer pourquoi. On peut penser même que ça peut être une évidence. C'est quand même toujours intéressant, même quand les choses paraissent être des évidences, de voir que c'est confirmé par des études. Je tiens d'autant plus à le répéter, que, comme ça a été dit aussi plusieurs fois depuis hier, dans beaucoup de classes, on écrit finalement assez peu, on passe plus de temps à enseigner les outils de l'écriture qu'à faire écrire les élèves. Si j'essaie de regarder maintenant les contenus ou les objets qui peuvent avoir un impact. Là encore, c'est
l'intérêt ou le risque de, d'arriver à la fin de cette conférence. Hein, on va retrouver des choses qui ont pu être dites. L'enseignement des stratégies d'écriture, hein, et l'entraînement métacognitif à une autorégulation de l'activité est un élément qui apparaît dans plusieurs synthèses et méta-analyses comme quelque chose de particulièrement efficace et même sans doute, c'est en tout cas ce que met en évidence, ce que mettent en évidence certaines de ces articles de synthèse, c'est que ça semble constituer la plus efficace des approches qui ont pu être recensées et comparées. Facteur supplémentaire d'efficacité, le fait d'ajouter pour les élèves une formation à l'autorégulation de l'activité, hein, par exemple se fixer des buts, définir des intentions sur un public, auto-évaluer sa production, hein, tous éléments qui, combinés, hein, avec cet enseignement des stratégies, paraît avoir un intérêt tout particulier. Certaines recherches ont essayé de déterminer du point de vue des manières de s'y prendre pour enseigner ces stratégies, hein, essayer de déterminer les manières qui semblent être les plus efficaces. Et notamment, hein, une recherche où on a comparé une manière de faire où il s'agissait de tirer les savoir-faire procéduraux de l'observation d'un modèle. Hein, on a comparé à une autre manière pour d'autres élèves où on procédait par instruction directe, hein, et aussi dans un autre groupe, on étudiait les caractéristiques des textes réussis et c'était la première manière de s'y prendre qui permettait d'obtenir les progrès les plus sensibles chez les élèves concernés. Alors, ce qui ne veut pas dire, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'efficacité, notamment, hein, vous vous rappelez ce que il y avait juste avant, hein, étudier les caractéristiques des textes réussis, hein, puisque un autre élément qui a été étudié et qui semble avoir un impact sur les progrès des élèves, hein, c'est l'enseignement des structures de texte et plus généralement, hein, tout ce qui concerne les caractéristiques des genres textuels, hein, ce qui a été regardé à propos de genres tout à fait différents. Autre élément encore, hein, sur lequel je ne vais pas m'appesantir parce que ça a été longuement abordé par d'autres intervenants, hein, apprentissage orthographique, entraînement graphomoteur, hein, tout ce qui va permettre progressivement aux élèves de pouvoir se consacrer davantage, de consacrer davantage leur attention, hein, à des aspects textuels, discursifs et au sens finalement. Alors, je reviens sur la proposition provocatrice de ce matin au moment où Patrice Gourdet est intervenu. En revanche, et Patrice l'avait bien indiqué ce matin, à partir notamment d'une des méta-analyses sur lesquelles je me suis aussi appuyé, hein, celle de Graham, et de ses collègues, hein, on n'a pas détecté d'effet de l'enseignement de la grammaire de phrase. Alors, sauf
Hein, mais il s'agit de recherches, hein, les recherches qui sont prises en compte, hein, dans ces articles de synthèse ou ces méta-analyses sont essentiellement des recherches déjà un peu anciennes et dans le contexte nord-américain, hein, sauf en ce qui concerne l'entraînement, la manipulation, la transformation de phrases, hein, à travers des manières de faire, hein, qu'en anglais on appelle sentence combining, cependant, hein, n'ont pas une taille d'effet considérable. Hein. Donc, on n'est quand même pas dans des choses qui, en tout cas, dans des pratiques qui étaient testées dans les recherches en question, hein, on n'est pas dans des choses qui semblent influer sur la capacité des élèves à écrire des textes. Si on regarde maintenant, plutôt que de se placer en termes d'objets, hein, si on regarde plutôt les choses en termes de mode d'enseignement. Et là encore, on va revenir sur un certain nombre de choses qui ont déjà été développées par d'autres intervenants. Hein, les démarches collectives de résolution de problèmes, hein, semblent être des démarches qui permettent aux élèves de développer leurs compétences à écrire, hein, et on a notamment des comparaisons, hein, entre ces démarches et des démarches où on propose de l'écriture libre, d'autres, hein, là encore avec des comparaisons de groupes d'élèves auxquels on a proposé des choses différentes, hein, donc écriture libre, conseil individualisé, enseignement transmissif direct, hein, et le travail en interaction avec le groupe et permettant, hein, de travailler sur des problèmes d'écriture, hein, semble quelque chose de tout à fait positif. Autre élément, l'appui sur les textes lus. Avec là aussi, donc, je n'entrerai pas dans tout le détail de la question vaste et importante de l'interaction entre la lecture et l'écriture, hein, sur lequel Michel Fayolle indiquait hier qu'il avait produit un document qui permettra d'aller beaucoup plus au fond des choses. Hein, mais par rapport à ce qui est mon propos cet après-midi, Je dirais simplement que ce travail s'appuyant sur des textes lus peut avoir beaucoup d'intérêt, en particulier quand on travaille à partir de ressources textuelles. Hein, ressources textuelles pour la réécriture, ça ce sont des recherches que j'ai conduites moi-même avec mon équipe, hein, mais on a aussi... Hein, pu repérer, et là je m'appuierai sur la recherche qui a déjà été évoquée ce matin à propos de la langue, hein, de la grammaire, la recherche sur le cours préparatoire, lire écrire au CP, hein, mais pour évoquer d'autres résultats, hein, où on a pu repérer dans des classes qui étaient efficaces, qui étaient plus efficaces que d'autres, hein, puisque dans cette recherche, on a observé pendant un an 131 classes et on a mis en relation les caractéristiques de ce qu'on a pu observer, hein, dans les classes avec les progrès des élèves, hein, pré-test en début d'année, post-test, sur différentes dimensions, et sur la dimension de l'écriture et des aspects, il s'agissait d'écriture du récit, hein, en l'occurrence dans le test, et on a pu repérer, hein, des choses, des relations tout à fait intéressantes, positives, entre classes efficaces de ce point de vue-là
Des pratiques de rappel oral des textes lus dans les pratiques régulières au cours de l'année des enseignants de ces classes. Hein. Donc, deux exemples hein, de manières de faire interagir la lecture et l'écriture qui peuvent illustrer cet intérêt de l'appui sur les textes lus. Autre élément aussi qui a déjà été évoqué ce matin, hein, la collaboration entre pairs, sur laquelle Linda Halal a apporté beaucoup d'éléments intéressants que je ne reprendrai pas. Hein. Donc, dans certaines conditions de réalisation, hein, elle a bien montré en quoi ces pratiques de collaboration entre pairs hein, nécessité que les élèves y soient formés, hein, préparés. Donc, collaboration entre pairs qui est un facteur mis en évidence par de nombreuses recherches, un facteur positif pour permettre aux élèves de progresser dans leur compétence à écrire, et cela sur de nombreux aspects hein, de la compétence à écrire. Dans les recherches auxquelles j'ai participé moi-même sur ce thème, on a mis en évidence particulièrement le fait que c'était un type de travail qui, d'une part, permettait de développer chez les élèves la conscience du public, hein, la conscience qu'écrire c'est une activité sociale, hein, c'est une activité qui nécessite une intention, hein, et en même temps aussi, et en particulier chez les élèves quand ils étaient en situation hein, de proposer des critiques et des conseils à leur père, ça aidait à la conceptualisation du genre pratiqué. Alors, encore quelque chose qui a déjà été dit, mais que je reprends, puisque c'est un peu mon travail cet après-midi, toutes les activités qui préparent la phase d'écriture, la recherche d'informations avant d'élaborer un texte explicatif, les remue-ménages pour mettre en commun des idées avant de commencer une fiction, rédaction de notes préparatoires, dessin, hein, quelqu'un avait évoqué les différents types de brouillons qui avaient pu être théorisés par Martine Alcorta il y a déjà quelques années, la formulation de but, etc. Donc, ces activités qui sont préalables à l'écriture sont aussi un facteur important. Les feedbacks aussi sur les textes produits, hein, le regard critique, positif, bienveillant sur les textes produits est un élément favorable au progrès. Hein. On a aussi des recherches évaluatives là-dessus qui le mettent en évidence. Deux mots sur les technologies numériques, puisque très souvent, hein, ça fait partie d'une part, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui est au cœur des changements actuels dans la manière, dans les supports de l'écrit, hein, mais c'est aussi quelque chose qui est pris en compte par pas mal de synthèses et de comparaisons. Et de méta-analyse. Pour aller très très vite, hein, je dirais qu'elles n'ont pas d'effet en elles-mêmes, mais qu'elles peuvent aider à créer des situations favorables au progrès, hein, par exemple des projets impliquant des partenaires distants, négociations entre ceux-ci, hein, ou encore le fait qu'elles peuvent permettre hein, de créer une fonctionnalité qui facilite une activité favorable à l'apprentissage, hein, par exemple en ce qui concerne l'interaction lecture-écriture, l'accès à des textes ressources. Alors, pour finir, j'insisterai sur quelques précautions hein, par rapport, je répète, à l'aspect un peu schématique de ces résultats. Il s'agit d'un état actuel de la recherche et on a encore besoin
de beaucoup de recherches. On en manque en particulier dans le contexte francophone, hein, et on aurait en particulier besoin de recherches portant sur un nombre important de classes. On aurait besoin de recherches qui permettraient, je crois que c'était assez clair quand on parlait ce matin de l'impact de la grammaire, hein, de recherches qui permettent de montrer avec des démarches permettant de prendre en compte la grammaire, des démarches plus actuelles, plus novatrices, hein, de regarder ce que ça donne. On évoquait à propos, je ne sais plus dans quelle intervention, les pratiques d'évaluation critériée, de construction de grilles de critères, etc., qui sont des pratiques qui sont présentes dans les manuels, qui sont présentes dans les pratiques de pas mal de classes. Est-ce qu'on a vraiment là-dessus des recherches d'ampleur? Non, pas vraiment. On aurait besoin de recherches qui permettent aussi de s'intéresser aux élèves les plus en difficulté. Hein, là aussi, on peine quelquefois à voir à qui profite le plus des telles ou telles manières de faire. Aussi, dernière remarque pour finir, hein, je voudrais mettre aussi en garde contre le fait qu'on pourrait interpréter mes propos précédents, hein, en isolant les facteurs les uns des autres. Hein, dans la réalité des classes, les facteurs favorables ne sont pas exclusifs. Hein, c'est pas parce que on va enseigner les stratégies que automatiquement on va avoir des résultats intéressants. Hein, ce n'est pas parce qu'on va favoriser les interactions lecture entre lecture et écriture. Bon, donc prudence, c'est une conjonction de facteurs qui peut expliquer l'efficacité plus grande de certains enseignants. Et je voudrais là, pour finir, proposer la notion de mode de travail pédagogique global qui a été utilisée en particulier par Yves Rotter, quand il compare les compétences à écrire des textes des élèves d'une école freinée avec les compétences d'élèves qui fréquentent des écoles aux pratiques plus banales, il constate des performances supérieures sur plusieurs critères, longueur des textes, respect de la consigne, structuration textuelle, désignateur, etc. Hein, il constate aussi une conscience réflexive sur la production et les textes produits plus développée, hein, chez ses élèves de l'école freinée. Et ce qu'il constate aussi dans l'observation des pratiques qui peuvent être mises en relation avec ces progrès, hein, c'est que c'est l'ensemble de la pédagogie fondée sur le travail en projet, la coopération, la mise en situation de recherche et de réflexion des élèves, hein, qui amène la présence massive de l'écrit et des productions régulières, hein, et d'écrits divers aux fonctions multiples, souvent dans un contexte de communication, avec une alternance des rôles, de producteurs, de lecteurs, de critiques. Hein. Donc, ce qui, je crois, est un bon exemple de cette nécessité de ne pas s'en tenir des facteurs isolés, hein, mais de plutôt essayer de caractériser, hein, de manière plus globale, hein, la manière de prendre en compte cet enseignement d'écriture. Voilà. Merci bien. Je passe tout de suite aux questions du jury, sinon moi j'ai des questions, je ne sais pas où vous en êtes. Bon, alors je vais passer. J'avais une demande, alors il y avait certaines questions auxquelles vous avez répondu au cours de votre développement. Il y avait quelques précisions demandées. Quelle différence dans les pratiques entre ce que vous appelez études de texte et ressources textuelles? Ou alors est-ce que c'était dans votre texte ou dans notre texte, j'en sais rien. Entre études de texte et ressources textuelles. Oui. L'idée de ressources textuelles, c'est celle de pouvoir faire
appel, hein, de pouvoir faire appel au moment où on en a besoin. Hein. Par exemple, pour reprendre, réviser, réécrire un texte à des textes qui vont, je n'ose pas dire modèle, mais des textes ressources, hein, des textes qui vont... C'est-à-dire qu'on n'est pas à ce moment-là dans une étude de texte, hein, vous savez, dans une démarche qui est relativement classique, mais d'une efficacité qui reste douteuse, hein, je crois d'avoir dit au cours de mon exposé, hein, qui consiste à étudier un texte, et puis à partir de ça, hein, on va essayer de refaire quelque chose qui, à partir d'une consigne d'écriture, qui va réutiliser le vocabulaire ou telle caractéristique du texte, hein, mais bien par rapport à des intentions ou à des problèmes d'écriture, de se référer, hein, à des exemples à des exemples en contexte. Hein. L'idée de ressources textuelles par rapport, par exemple, à du lexique isolé, c'est l'idée de la mise en contexte. Est-ce que dans vos études, les méta-analyses que vous avez vu des impacts directs de l'organisation de la classe, petits groupes, ateliers dirigés, groupes classe, des choses comme ça, sur le résultat d'élèves en production d'écrit? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais là, dans ce que j'ai pu dépouiller, là, non. Ok, le jury. Bonjour Monsieur Crinon, merci pour votre texte qui a été très, très dense. Par contre, vous avez évoqué le lexique de manière assez succincte. Est-ce que le lexique. Oui. Ben oui, parce que je savais que ce serait l'objet d'une autre intervention, hein, et donc ça ne faisait pas partie des choses sur lesquelles les organisateurs m'avaient demandé d'accentuer, mais ce qui ne veut pas dire que j'accorde moins d'importance au lexique. Par ailleurs, c'est vrai que si on a des synthèses et des études extrêmement intéressantes sur le lexique, une autre raison est que ça apparaît peu dans les résultats des synthèses anglophones. En revanche, on a des choses tout à fait intéressantes dans des articles, y compris des articles de synthèse francophones. Je pense par exemple à ce qu'avait fait il y a quelques années Claudine Garcia Deban sur les aides lexicales, hein, c'est-à-dire que à côté de l'enseignement du lexique et à la manière dont on peut essayer de réinvestir un travail un peu systématique sur le lexique, la question de la manière en cours d'écriture de pouvoir apporter, hein, des ressources, j'utilise encore le terme de ressources, hein, des ressources lexicales pour soutenir, pour étayer l'écriture ou la réécriture des élèves, c'est quelque chose pour lequel on a en tout cas pas mal de propositions, hein, même si ce ne sont pas des études portant sur des grands nombres de classes. Et vous avez beaucoup évoqué les stratégies. Alors, vous avez évoqué les stratégies à promouvoir, mais c'est parfois intéressant aussi de donner aux enseignants des stratégies à éviter. Et est-ce que vous avez vu dans les méta-analyses une progression dans ces stratégies? Dans la comparaison entre ce qui est, enfin, il me semble qu'à certains moments, hein, sur certaines des recherches que j'ai évoquées là, il me semble qu'il y a la comparaison entre
des manières de faire qui fonctionnent mieux et d'autres qui fonctionnent moins bien. Il semble que l'instruction directe, hein, on retrouve ça dans plusieurs études portant sur des nombres d'élèves importants, ça ne semble pas être ce qui fonctionne le mieux. Alors sans doute parce que écrire, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'amener des élèves à s'approprier des connaissances déclaratives, hein, mais qu'il s'agit bien d'un savoir-faire qui, certes, demande de mobiliser des connaissances, mais là je rejoins sans doute des choses qui ont déjà été dites hier. Oui, il y a des choses qu'il faut sans doute éviter parce que ça ne marche pas bien. En voilà un exemple. Merci, c'est bon pour vous. Donc je vous remercie encore. Je précise, il y avait aussi une question, pourquoi y a-t-il si peu de recherches sur les élèves de lycée professionnel quand on sait qu'ils s'y développent des démarches innovantes? Il y a des recherches, hein, je sais notamment à Grenoble, est-ce que c'est pas sous votre direction qu'il y a, un travail en cours qui va peut-être déboucher sur une thèse sur les pratiques justement d'écrit professionnel en situation de contexte professionnel, donc un peu de patience, et puis il y a des travaux en cours là-dessus. Mais c'était une question qui s'adressait pas directement à vous. Voilà, merci bien. Hein.